Salut les gars, c'est Mani pour un petit mot sur la Hobitech Spirit de Eddy. Et on va commencer d'abord par les petites choses dues au fait de Hobitech, les choses qui sont encore à améliorer, pas très grave, mais c'est un petit cumul, donc ça devient vite ennuyeux. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour ton moteur Eddy, mais ça on y viendra tout à l'heure, ne transpire pas. Alors, tout d'abord, le train avant sur rotule est la seule chose qui a donc évolué en fait entre le Spirit et la STR8. On a un meilleur plastique au niveau des triangles de suspension et on a les couronnes de diff et les pignons d'attaque qui sont plus durs. On a toujours par contre les noix de cardan en beurre. C'est pour ça qu'il dit ici à monter les noix renforcées déjà. Et on a toujours les quelques petites choses pas terribles qu'on avait sur la STR8, c'est-à-dire par exemple que la barre stab peut frotter les noix de cardan ici selon des battements de suspension, en fait, et le travail de suspension. La barre ici vient buter sur la noix, ça frottouille, c'est pas très méchant, mais ça pourrait être évité. Au niveau des rotules, méfiez-vous, il faut toujours faire l'entretien de ces choses-là, puisque la saleté, la terre, tout rentre et ça commence à gripper. Quand ça grippe, ça vous bloque le débattement de suspension. C'est ce qui est arrivé à Eddy en fait. Au début, j'avais appuyé dessus, il était resté en bas. C'était dû en fait au pivot ici qui était coincé, serré trop fort. L'autre chose, c'est que ça ne bride pas seulement la suspension, ça bride aussi la direction. La direction manque donc forcée et c'est le sauve-cerveau, le cerveau qui vont morfler à la fin. Surtout de ce côté, en fait, on a la vis qui s'est mise de travers dedans, c'est ce qui a coincé en fait la suspension et la direction. La tourelle de suspension avant toujours trop molle qui se plie sur les retournements. Un autre souci de montage aussi, c'est ici entre le renfort de train avant et les pivots de direction. Normalement le pivot doit dépasser du roulement d'un bon demi-millimètre ou un voire plus pour que quand vous montez ce renfort dessus, le roulement reste libre. Ici, on est juste à ras, ce qui fait que quand vous serrez ces vis-là un tout petit peu trop fort, vous avez le plastique qui se déforme, qui va frotter sur le mouvement, ça va aussi vous coincer la direction. Il est donc nécessaire de mettre des petites rondelles entre. Alors attention, on ne peut pas mettre n'importe quelle rondelle, parce que la plupart des rondelles sont trop grandes, elles vont frotter soit sur la bague d'intensité du roulement, soit sur la bague extérieure. Il faut donc utiliser des rondelles gros verre M3 qui ont juste la taille en fait, de la bague intérieure du roulement pour que cette direction reste ici parfaitement libre. Donc pour checker tous ces montages, je vous conseille de démonter les amortisseurs et de déclipser ici la rotule de direction ici au niveau des trains pour voir si vos pivots fonctionnent bien et si votre direction fonctionne bien toute seule manuellement sans le cerveau. Ce sont des petits réglages à faire mais ils sont nécessaires pour ne pas en fait casser le cerveau de direction et bien sûr empêcher votre véhicule de tourner comme il faut. L'autre chose ici dessous, c'est qu'on a là les butées de train. On a les petits BTR dans les triangles, comme c'est le cas sur beaucoup de buggy, qui vont donc buter là-dessus si vous les serrez pour brider vos débattements de suspension. Ici, on a des empreintes, parce que quand vous êtes en débattement en max, en fait, vous avez le châssis qui tape dans le plastique. Ils ont fait une petite empreinte, mais elle n'est pas assez loin, et le triangle va donc se bouffer sur le châssis, et puis par la même occasion, bien sûr, endommager le châssis. Forcément, sur le dessous, ça arrive vite. C'est pas grand-chose, c'est pas méchant, mais on aimerait voir un peu plus d'amour du détail sur ce genre d'engin français. À l'arrière, c'est un peu mieux. L'échancrure est fait beaucoup plus loin. On touche moins, un tout petit peu quand même. Là, les empreintes, c'est pas grand-chose, mais c'est dommage. L'autre chose, c'est qu'à l'arrière, si vous mettez votre débattement au maximum, puisque les suspensions sont assez longues pour descendre dans la suspension vachement bas, eh bien c'est trop long. Vous avez l'axe ici du cardan qui va buter au fond de la noix dans cette position et on va forcer mécaniquement sur le différentiel. Je vous montrerai là, si je descends les suspensions à fond et que je tourne, ça me remonte mon bras de suspension puisque l'axe bute au fond et il repousse. Ça veut dire donc qu'on tape dans le différentiel. Ça, c'est pas bon, donc méfiez-vous, ne mettez pas trop de débattement de suspension à l'arrière. Ce qu'ils ont supprimé aussi, c'est les deux vis ici qui tiennent la cale de train avant. Ça, c'est dommage, puisque ce qui fait que sur tous les chocs, en fait, la cale de train n'encaisse l'effort que sur deux vis. Et on peut donc arracher ces vis, surtout que c'est un M3 et que le plastique des cellules n'a pas été modifié. Il reste relativement fragile par rapport à un 8e qu'on rencontre chez d'autres marques. Même chose à l'arrière, on a ici bien le trou pour que la cale puisse, pour le petit étang de la cale puisse se caler dedans, mais il n'y est pas, ce qui fait que la cale est donc livrée elle-même juste avec ses deux vis de fixation dans la cellule de diff. Donc là, sur un gros choc arrière, on peut arracher ici l'avant.
Et venons-en au moteur. A noter aussi que Eddy a enlevé lui les deux renforts ici du becquet pour permettre que ça soit flexible, pour ne pas casser justement le montant avec ses deux renforts dedans. Il avait beaucoup plus de soucis. Et à noter globalement donc Orbitec n'aimerait que les triangles inférieurs de toute évidence. Les plastiques des biellettes sont aussi pas de suffisante qualité pour moi. Dans cette gamme de véhicules, on a très vite du jeu, surtout au niveau de la biellette de direction qui se déclipse extrêmement facilement au bout d'un moment. C'est vraiment très fragile assez vite. On peut l'enlever à la main hein, en tirant un bon coup dessus. Donc c'est pas terrible. Ici au niveau des biellettes de direction, c'est pareil. Le plastique de ces biellettes devrait être de meilleure qualité. Et on en arrive au moteur. Eddy, je ne peux pas sauver ton moteur. Si je n'avais pas encore ouvert le carter arrière au moment de te le montrer, là c'est fait. Est-ce que tu vois l'état de tes câbles? Ils ont été complètement rongés en fait par le rotor. Je vais essayer de me mettre face caméra, tu vois. Je vais te mettre le rotor dedans. Voilà, regarde ce qui s'est passé. En fait, les câbles ici, tu vois, sont trop dehors. Ça les a tirés vers le rotor et c'est allé ronger dessus. Alors, la question est, quelle de ces pannes est arrivée en première? Et l'autre chose que j'ai constaté, donc en regardant le rotor de plus près, puisque ça m'a paru très bizarre en fait que les masses d'équilibrage ne sont pas exactement au même endroit, et bien ce qui se passe, c'est ceci. Il y a eu un échauffement de par ce frottement, en plus il y a certainement du courant électrique qui est passé sur le rotor, et on a desserti la plaque en aluminium qui maintient le rotor au centre ici. Bon, il est toujours encore collé. Alors, on pourrait essayer peut-être avec un minimum de colle, mais est-ce que ça va vraiment tenir? Est-ce que ça va être durable? J'en sais rien. De plus, on peut rien faire pour le corps. Alors, il y a un abonné qui s'est proposé d'envoyer son corps de moteur, puisqu'il a, lui, cassé son rotor sur son moteur Goule. Il a donc proposé de m'envoyer le corps. Et alors j'ai bien envie de tester ça, donc de remettre de la colle là-dessus pour bien bloquer ça, puisque le rotor tient toujours encore bien sur l'axe de par lui-même et de par la fixation avant, et de mettre, si effectivement le corps de moteur arrive, de mettre ce rotor dans l'autre corps de moteur pour te faire un moteur. Ou alors est-ce que tu veux voir avec la garantie, leur envoyer ça, voir ce qu'ils en disent, ou si tu veux tout de suite monter un autre moteur. Donc on se tient au courant, Eddy. Salut tout le monde. Par contre, Eddy, j'ai oublié encore autre chose. Même si les cardans arrière ressemblent fortement au cardan avant, le cardan avant était un peu plus court que les cardans arrière. J'avais remarqué que j'avais de ce côté beaucoup plus de jeu sur le cardan que celui-ci. Et après investigation, il s'est avéré que c'est de ta faute. Tu as monté le cardan arrière gauche ici à l'avant, qui est donc trop long. On avait donc de la pression sur le train avant. Peut-être la raison pour laquelle ton BT a foutu camp, à cause de la pression et de l'échauffement. Et ici, trop de jeu. Voilà. Donc, c'est pas bien méchant, mais c'est pour ça que quand vous démontez, je vous conseille de classer les choses train arrière, train avant, partie centrale, bien séparément. Et au moment de remonter, à la limite, de contrôler les mesures avec les mesures que vous avez dans la notice. Voilà, ce coup-ci, ça y est. À bientôt, les gars.